Yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Guild 2, dans lequel nous jouons le prince Thiob Unio, souverain de la ville de Bergen. Et ses proches, hein, bien évidemment. Tupper, ouais, je crois qu'ils sont sympas, eux. Je suis pas sûr, mais il me semble. Ah oui, il va faire du prosélytisme, toi. On tente de donner de l'expérience. Ah oui, on avait changé nos proches. Qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est toujours là-bas, la vache. Neutre à querelle. Ok, d'accord. Vos soignants ne peuvent pas soigner leurs patients. Ouais, ils sont toujours pas doués. Mon grain n'est pas pourri. Quel âge que tu as, toi? C'est où, c'est là? 58 ans? Eh ouais, tu commences à faire vieux. Cauchemar ambulant. Ouais, c'est pas tout jeune, ça. Ah, qui c'est qu'on aime pas? Eux, on les aime pas. Allez. Oui. On a de l'or, pas quoi en foutre. Autant l'utiliser pour embêter les autres. Ah ouais, attendez, je voulais voir, est-ce qu'il y avait des petites bières? Non. Petite bière? Petite bière. Bah, pas petite bière. Petite chaîne? Petite chaîne. Quelqu'un vient de vous parler. On va utiliser la petite chaîne. On va aller au palais de Hambourg. Ah mais oui, mais il apparaît même dans la liste maintenant, le palais de Hambourg. Ok. On fait le tour. Oh, regardez, j'ai ma belle chaîne. Magnifique, n'est-il pas? Qui veut voir ma belle chaîne? Qui? Tiens d'ailleurs. C'est bon, il est suivi par des gardes quelque part, je sais pas trop où, mais il est suivi par des gardes. Y a pas une piole, lui, quelque part? Si, tu vas à la piole et tu vas faire un gamin à ton gosse. Pacification, oh, si vous voulez. La famille, on sait pas trop quoi, on s'en fout. Les différents viennent régler. Shadwick. Très bien, très bien. Interrompu plutôt. Une guilde des lettres et de Hambourg. À Londres. Oh, allez, attends, fais un gosse. Ça ne prendra pas longtemps. Fais un gosse à ta femme et va à Londres rapido après. Je sais pas s'il aura le temps. Très attendu. Il me reste 5 heures, tu me diras. Bon. On va au marché de Hambourg, toi. Non. Non, c'est pas toi qui devais aller au marché d'Hambourg, c'est toi qui devais aller au marché d'Hambourg. Je sais plus ce que tu foutais. On l'a fait toi voir un peu. Ah, t'as encore ce qu'il faut. La vache, t'en mets du temps pour faire un gosse, toi. Ça fait 3 heures que tu y es. Dis pas que t'attends ta gonze, elle est où ta gonze? Qu'y a-t-il? Ah, elle s'est pété une jambe.
Bon, ça va guérir. Bon. À cause d'elle, je vais louper le contrat d'Elytrae à Londres. C'est pas très très grave. On est célèbre en plus. Oui, ça, on peut faire en sorte que la maison. Enfin, on a assez de réputation pour améliorer la maison. La demande d'un comptoir est terminée. Ils sont toujours premiers au niveau artisan. C'est dingue. Alors que je sois meilleur que ça. Elle arrive, elle arrive, elle arrive. Partir la haute noblesse. Y a quoi après titre de prince? Non, parce qu'en vrai. La dîme de l'église vient d'être modifiée. Vous souhaitez obtenir un titre de noblesse plus important. Bah, je suis déjà prince, donc c'est quoi après? Là. Mon retour à Bergen, toi. Hein? C'est bugué ça? Je peux pas les utiliser depuis quand? Bah, c'est bugué. Bon. Il y a une offre de nourriture à bas prix dans un comptoir. L'église des artisans de Danzig. Accord d'un contrat. Qui est artisan? Ah putain, c'est encore lui. Ah mais non, c'est lui, il est très. Oh, bon, il est où? Elle est où ta femme là? Ta femme elle veut pas de gosse. D'accord, bah, je crois que j'ai compris. Ta femme veut pas de gosse. Quoi maintenant? Non, va préparer un sermon, toi. Tu vas faire un enfant à ta femme et ensuite va préparer un sermon. D'ailleurs, c'est celle-là la maison. Ouais, t'as des niveaux. Allez hop, tiens, gagne en agilité, ça te fera te déplacer plus rapide. Constitution miraculeuse. On n'est pas encore échevin, hein. Ça ne saurait tarder. On va utiliser la chambre de tes parents, toi. Il est où? Mais il est reparti chez lui. Hein. Mais même ta femme, elle te suit pas, mon ami. Pour la famille. Tu vas faire un gosse tout seul parce que ta femme, elle va à l'église. Hein. Rendez-vous à quelle heure? 17? On ira, je suppose, comme dame. Oh, vous êtes bien beau. Ouais, j'aime beaucoup tous les unios là. Bon, ce sera un Kelson au poste d'évêque. Non, Tim. Tim, comme ça, il n'y en aura qu'un seul. Non. Je vais lire Tim. Bon. Oui. T'es lent toi. Hein. La date d'envoi des invitations à votre fête est passée. Ah, ça c'est tous mes sbires qui peuvent pas rentrer. T'es là, quand il est pas encore. Quelqu'un essaie de vous soudoyer. Oui, donne-moi ça. Quelqu'un essaie de vous soudoyer. Les deux de la même famille qui me soudoient, quoi. Quel monde de. Trop chiant. On fera en sorte que ça soit Tim. Quelqu'un vient de vous parler.
Non mais c'est terrible ça, elle peut pas. Hein. Reviens là, toi. Je suis armé. Ah, faut que tu sois armé. Oui. Tu vas y arriver ou pas? Ça y est, enfin, dit, j'y croyais plus. Quoi, et la séance est levée. In vino veritas. Vos soignants ne peuvent pas soigner. Ils sont vraiment pas doués quand même. Hein. Putain, ils préparent ce qu'il faut, quoi, je sais pas. Oui, tiens, hein. C'est un truc en combien des échantillons venant des porteurs de maladies diverses. Hein. Ils peuvent tout faire, mais ils veulent pas. Angile, 50%. Ils ont tout ce qu'il faut. Même d'alcool. Ça sert à quelque chose au moins l'alcool? Pourquoi il y a de l'alcool alors que ça sert pas? Ah si. Besace de médecin. Ça va. C'est bon, t'as fait un gosse toi? C'est pas trop tôt. Hein. Bon. Allez, va chercher du charbon toi. Au charbon. Toi, administre les bandages. Ouais, je pense que t'as déjà bien travaillé pour le reste de tes jours. T'as fait un détournement, un petit détournement, toi. Là, si on regarde, là, puisqu'on s'amuse à rigoler. Oh, la trésorerie. Oh là là. Vous êtes un être sans foi ni loi. 7000. Je dois faire quelque chose. Franchement... rapporter à la ville 7000, ça. En avant. Petite bière. En avant. On a 1 150 000. Quelqu'un vient de vous parler. Et les artisans de Londres accordent un contrat, mais c'est lui. Allez, cours à Londres. Cours dans Londres. Hop. Alors non, cours pas à Londres. Cours à Hambourg. Tu vas te présenter et ensuite cours à Londres. Tu vas te présenter sur n'importe quel poste. Mais tu vas te présenter. Qu'est-ce que tu fous là? Je t'ai dit d'aller. Il se fout de ma tronche lui. J'ai rien à foutre de moi. Le feu à Londres, c'est pas mon problème. Postule. Regard perçant. Ça fera l'affaire. Impeccable. Allez, on s'en va à Londres maintenant. Oui, mais bon, lui. Bon, au niveau des ennemis. Protection de Dieu. Oh, 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 oh.
ces ronges, s'il n'y a que ça. Je ne sais pas. Attendez, on va peut-être enfin pouvoir intercepter quelqu'un. Vous avez maintenant un fils. Un fils. Appelez Robin. L'offre spéciale d'un compte. Où est-ce qu'elle est ? Bah alors ? Elle a décidé de se barrer. Non, d'accord, ça a pris le haut. Maître de guilde. Et maître. Pas de maître de guilde. La dîme de l'église vient d'être modifiée. Elle me fait mal, hein. Bon, normalement, je suis censé avoir des gardes. Bonjour. Oh, deuxième. Ah la vache. Oh, troisième. Ah non, ça c'est ma... Elle n'aiderait pas son beau-père. Mais dis non. Sinon, mon escorte, elle arrive quand? Escorte, on n'a rien à foutre. Hein. D'accord. Vous venez de commettre un meurtre. Patricienne. Non, je m'en fous. Hop, on va guetter cet endroit. Bon, il fait partie d'aucune famille. Ça, je m'en fous. Non, d'accord, il fait partie sur mes employés. On va pas, on va éviter de lui faire du mal. Hein. Bah les voilà enfin, dis donc. Je croyais plus. Un garde. Un dans les deux, tiens. Oh ! Il reste une seconde. En avant. Oh, une seconde près, j'ai réussi. J'ai vraiment eu de la chance, par contre. J'ai totalement oublié. Bon, je vais plutôt me mettre là parce que là il y a du passage des travailleurs. C'est pas terrible pour faire le tri. Non. J'en ai vu une pourtant qui passait. Non plus. Vos soignants ne peuvent pas. C'était bien planqué, mais je t'ai eu. Ils sont vraiment planqués, tu es planqué, je sais pas où est-ce qu'ils sont, mais. L'église. Putain, mais il a vraiment réussi à passer là. Je sais pas comment il a fait lui. Ah, il y a Noah qui encore en vie.
Effrayant. Un comptoir achète des marchandises pour sa grande fête. On va bien réussir à en choper quelques-uns. Hein. Il faut savoir être patient. Il faut savoir être patient. Le tête, je sais pas d'où est-ce qu'il est sorti. Alors, viens voir. Non, tu ne m'intéresses pas. J'écoute. Non plus. Ah, vous êtes de ma dynastie en plus. Oh! C'est un Owak. Bonjour à toi, Owak. Tu avais survécu malgré tout. Je vais te faire rejoindre tes proches si proches. Vous venez de commettre un meurtre. Il en reste encore dans la dynastie apparemment. Alors allez. On va les choper hein, les derniers. Qui tue ? Non. Oh. Nous voilà. Je l'attendais. Vos soignants ne peuvent pas soigner leurs patients. Hop là. Submergé par le nombre de 3, il n'a rien pu faire. Il a dû mourir. On va falloir le trouver pour aller, le finir dans l'eau. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Il est beau, il est beau. Hein. Il tient un peu la tronche. De commettre un meurtre. Impeccable. Allez, 3 en moins. On est au max en connaissance occulte. On va les soigner. Je ne sais plus quoi faire de ces rats. Qu'y a-t-il ? Il est où ? Ah oui, il est en voyage. Je demande à ce qu'il se fasse soigner parce que... Oh, des Pullman, ça fait longtemps. C'est bien ça. C'est pas moi ça, tiens. On va récolter des champignons, mon ami. Ce ne sont que quelques échimons. Bon, alors on est bien soigné. Retourner au même endroit à peu près. Au travail. Puis pareil, s'il y a des unités importantes, on va les... Oh bah regardez. Ce n'est pas toujours facile. Regardez-moi, ça c'est magique. Comme s'il avait dit, venez les gars, venez m'attaquer. Franchement, il nous aide. Je ne sais pas si je vais être assez rapide. Cours, Forest. La cour revient sur sa décision. Il est où ? Il est là. Je vais l'intercepter, là, on a du monde là-bas. Allons-y. Voilà.
Ah, les rues sont aussi dangereuses. Ah bah je l'ai rattrapé. Moi je me bats à main nue alors que j'ai une hache. Pourquoi j'arrive pas à lui faire un seul de dégâts? Ouf. Oula. Oh, c'est ballot. Bénis soient ceux qui acceptent. Hein? Vous venez de commettre un meurtre. Ah bah. Un Nowak. Ouais, regardez-moi ça. Ils se présentent tous un par un. Et voilà. En plus, on est dans un duel en 1 contre 5, donc c'est parfait. C'est très honnête. Déjà ? Je l'ai... Oui. Vous venez de commettre un meurtre. Voilà. Parfait. Oh la vache! Y'a un bouchon là! Ah, y'a un sacré bouchon! Mais je sais quoi faire contre les bouchons. Regardez. Je veux piller. Vos soignants ne peuvent pas soigner. Hop, voilà. Un petit peu. La demande d'un comptoir est terminée. Ça va amocher tout le monde dans le coin. Faudrait pas que ça prenne feu ici, par contre. On peut améliorer, non, on peut pas améliorer le bâtiment. Qu'est-ce qu'ils sont là, par contre? Qu'est-ce qu'ils peuvent être là? Tous autant qu'ils sont, ils sont d'une lenteur. On va se mettre là. Où est la marchandise? Je vais escorter lui. Toi, 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 toi et toi. Hein? Hein? Quel est le plan? Je vais escorter lui. Faut chercher des matières premières, ça a bugué ça. Mais ça a bugué. Oui, maintenant, on va voir. Où est-ce qu'il en est, lui? Il est plus long. Il fait sa petite marche, on a l'impression qu'il est en train de faire sa petite... petite balade. Il y a une offre de nourriture à bas prix dans un comptoir. Ah, même le mec en charrette, quoi, il est plus rapide. Oh là là, c'est honteux. Quoi, t'es vieux, c'est ça? 51 ans, ça va. Bon. Réunion de Tupperware, là. Ah mince. Pas de problème.
Pourquoi ils finissent bloqués? Ah, il y a un bug, hein. Ah non, il a réussi. Ouais, ni vu ni connu. Hein. D'accord. Éloigne-toi le plus possible, parce que là, ça va faire mal. Putain, et tous les baillis et tout dans le camp, là. Ça va faire eux, là. Ça va pas compter. J'ai pas le temps. D'accord. Comment ça? Comment ça il se réveille d'un coup? N'importe quoi. Putain, mais on est où là? À Londres. Oh, il me semble qu'ils avaient mis à Bergen. Et que ça avait bugué l'épisode d'avant. Merde, je suis où? C'est où la ville? Ah voilà. Peut-être aller un peu loin. Bon, alors on a un Bergen très rapide. Waouh. Tu es lent pour quelqu'un de très rapide. En attendant. Achat d'un titre. Empereur. Ah non, prince. Maintenant partez. Je dois me remettre au travail. Vous serez averti dans les plus brefs délais. Où dois-je attaquer? Bon, il a réussi. Il est passé à travers. Dites-moi que ça en a brûlé quelques-uns quand même. Ils sont tous de brûlure, c'est bien. Félicitations. Le conseil dans sa grande sagesse. Je suis de nouveau prince, je suis doublement prince. Trop fort. Le prochain. Un nouveau titre de noblesse, quoi. Pour une somme très modique, je peux vous trouver un nouveau titre. Prince impérial. 500 commerces. Même pas de sens. Elle brûle bien la maison. Là, on va les attaquer, là on va en profiter qu'il n'y ait personne. On va les attaquer. Voilà, ça a fini, on met les générales. Oh là là, le bordel. Oh le bordel. Il y en a un en moins. Par contre, c'est mon gars qui prend tout. Heureusement, il est robuste. Heureusement, mes gars, ils font mal aussi. Allez, un nouveau. Ah, ils sont efficaces, là, mes gars. Allez, on les achève.
Putain, lui aussi, on va aller chercher. Vous venez de commettre un meurtre. On achève un autre. Comment ça garde? Et la balance là. Viens là toi. T'as appelé les gardes? Tu vas voir. Qui appelle les gardes? Voilà, suivante. Oh, elle est bien équipée. Oh, elle est bien équipée. Bah, je crois que j'ai perdu un garde. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Nom de grève. Ah, c'est là, toi. T'appelleras pas les gardes. Il y a un baronnet encore. Ah non, il est pas intéressant. Ils sont mes charrettes en plus qui bug. Il y a du monde à... Il y a du monde à exécuter, hein. Tiens, devant le pauvre gosse, quoi. Oh, c'est du monde, hein. En avant. Allez. Vous venez de commettre un... Et suivant. Pas le temps. Vous venez de commettre... Comment ça, n'a pas le temps, lui. Très bien. Alors toi, reste là par contre. Toi, taper les gardes. J'ai envie de comprendre la connerie que t'as fait. Voilà. Allez, encore un. Il se lève. Vous venez de commettre un meurtre. Ah non. Je l'ai achevé juste avant qu'il se relève, le pauvre. Vous venez de commettre... Bon, là c'est bugué, mes charrettes elles sont buggées en vrai. Donc, je vais les faire rebouger. Toi aussi. Et ben voilà, on sera débarrassé de pas mal de gens qu'on n'aime pas. Il est où, lui? Ah, il est là. Oh, il est là. Attends, zut, vite. Regardez, il passe juste à côté là. Eh, viens là. Chut. Eh, ta fiole. Il se rapproche un peu trop du centre du village pour moi là, par contre. Avec plaisir. Allons se soigner. Ils sont toute leur vie, hein. Eh ben, ils sont costauds, hein. Voilà une chose de faite et qu'elle est bonne, non? Ah, c'est dingue par contre. Toutes ces charrettes sont les miennes, hein. Il y a un paquet de charrettes qui sont à moi. Quand je l'aurai décidé. Ok, me fout. Hein. Ah, j'avais une brute dans le tas. Où souhaitez-vous aller? Va décharger là-bas. Après, tu fais ta vie. Ceux-là, ils sont totalement buggés. Pourvu que je ne me fasse pas voler.
ne me fasse pas voler. Où ça? Pourvu que je ne me fasse pas voler. Ça ne prendra pas longtemps. Ça prendra plus longtemps que tu ne penses. T'es bugué. Voilà. Oh mais regardez qui y a. Il y a encore des personnes là-bas qui ne souhaitent qu'une chose. C'est en finir. Allez. Quand même. Vos enfants est en âge d'aller à l'école. Regarde toi. Par contre, tu es en train de me faire ce n'est pas toujours facile. Gommer. Mais faudrait m'aider hein les mecs hein. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'ils foutent? Très bien. Ah, tu m'étonnes wesh. Oh, ils ont rien foutu. Défendez votre maître. Ah, je me suis fait pouillasse parce qu'ils ont décidé de ne rien foutre. Quel est le bruit? Bah, c'est moche hein. Vindu. L'ordre spécial d'un con. Errare humanum est. Alors, où est-ce qu'il est? Objet analogique. C'est toi. Allez, va à l'école du baron. Ah, par contre, jamais ça aurait dû arriver, ça. Jamais ça aurait dû arriver quoi, ils ont rien foutu. Où dois-je... Ah hier. Bon, bah, je vais attendre vite fait qu'ils se remettent sur pied. Espérant qu'il lui arrive rien. Du matériel de guerre. Des marchandises sont disponibles à bon prix dans un comptoir. Un employé est sur le point de mourir. Oui ? J'ai rien mangé là. Oui ? Vos soignants ne peuvent pas soigner. Bon. Au travail. Va te soigner là. Allez, va te soigner. Avec plaisir. Béni soit le gué, c'est ça. C'est rien que ça. Impossible d'entrer dans mon objectif. C'est rien que ça. Bah, écoute, va te soigner chez toi. Hein. Je crois qu'ils sont tous buggés ici. Hein. Vraiment le bug. Venez là, vous allez vous en charger vous-même, vu que vous êtes les plus malins. La dîme de l'église. Pendant que l'autre il va se faire soigner. Allez, vous allez là, je veux pas savoir. Allons-y. Et bon là ils ont l'air de se barrer, on va attendre qu'ils se barrent un peu plus loin. Hop. Si vous le dites... Hey toi. C'est bon, ils se battent tous déjà. Oh, t'as la vitesse à laquelle ils perdent de la vie. Ah ouais, donc si j'ai pas le mien pour absorber les dégâts, on se fait pourrir quoi. Ok. Faudra embaucher.
mémo à moi-même pour l'épisode prochain. Embaucher tout le monde. Allez, on va arrêter l'épisode d'ici pour aujourd'hui. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Ben, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain. Où on va embaucher littéralement toutes les personnes inscrites à Pôle emploi. Allez, je vous remercie d'avoir suivi. C'était Tiob. Ciao.